Allez, viens. Mais je t'attends. T'attends, je suis avec toi. Allez, on passe par là. On passe par là. Viens, viens. On va prendre des cacahuètes. Cacahuètes des Namungouettes. Les petits jeans, c'est moi qui l'achète souvent ça. Il avait acheté ça il y a des années, maintenant ça lui suffit maintenant. Hein. Namungwe. Et Namungwe avec sa mamie. Viens. On m'a parlé du choléra. Nous avons parlé du choléra au continent, notre continent. On va parler du choléra. Et avant, j'avais ces debout. On va faire mal ici à Carcassonne. Viens. Bonjour. Il y a des gens, vous savez pas qu'il y a des gens qui laissent des trucs comme ça après ici là. Attends, on va vérifier encore. Bonjour. Ça va? Bon, je suis venu prendre tout ça. Non, laissez. C'est le mien. Je vais vérifier. C'est le mien. Je vérifie moi-même. Je vais voir si tu as gagné. Attention. Bonjour, ça va? Je vais prendre une cacahuète pour la petite. Avec moi. Donc je note des cacahuètes. Les gens, comme je contrôle pas seulement, je contrôle encore peut-être que je peux gagner. J'ai trouvé, non? Qu'est-ce que tu veux voir? Non, la même chose. La blanc? Et les cacahuètes, la petite. Mmh. Tout à l'heure, on est sorti, on est payant tout là-bas. Là. Mmh. 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 Ouais, moi, je vis ma vie. Faites comme moi, soyez heureux. Donc, pour l'instant, j'ai décidé moi-même de laisser le pipi pour l'instant. Parce que je ne suis pas venu ici pour me mettre la tête avec elle. Mais notre émission se passera ce dimanche à 17h. T'as pas de pièce? Merci. Donne-moi une pièce. T'en as pas toi? Bah, attends, je cherche, mais je ne pense pas, je n'ai pas. Je n'ai pas une pièce. Toi ici. Allez, j'arrive. Hervé arrive, il va te faire la monnaie. Il me fait la monnaie, d'accord. Merci. Mais je dois payer aussi le verre. Oui, ça. Il arrive. Ok. Le soir passe à moi, passe là-bas. Oui, attends, Yana. On va parler de choléra et on va parler de ce qui sont importants. Notre continent camerounais. Des olives. Des olives? Tu veux manger des olives? C'est bien les olives pour toi? D'accord. Il y a 7. Il y a 8. Il y a 2-8. Il y a 2-7. Ah, vous voyez, ils n'ont pas les mêmes fétiches que nous à Paris. Hein. Ah oui, nous, on fétiche. Ils n'ont pas. Et alors, c'est nouveau, c'était quoi? Nouveau fétiche. Deux. Dix. On parlait du choléra dans notre continent. Quand c'est le choléra, il ne faut pas dire que c'est une tribu qui a fait la saleté pour le choléra, non. Avec cette voilà. Et il faut tout. Non, elle veut maintenant les olives. Les olives, hein? Oui, les olives, oui. Alors, je crois que.
Et là, l'apéro, on va. Moi, je ne vais pas manger sans le piment. On va acheter du piment. On va acheter du piment, oui. Moi, je mange du piment. C'est lesquels qui ça. Aux anchois? Non. C'est aux anchois, au dé vos anchois. Bah, oui. Oui. Donne-nous ça, voilà. Ah, non. Tu veux la pièce? Voilà. Merci. Allez, merci beaucoup. Attends, je vais t'arranger l'eau. Merci. Ma joie de vivre, ben ça. Dédé, mamie, c'est un bon morceau, hein. Mamie. Regarde. Oh, tiens. Attends, donne-moi le... Donne-moi... Coucou. Oui. Donne-moi la boîte, parce qu'on va partir, là. Tu veux la boîte aussi? Oui, s'il te plaît. Tu peux juste la nettoyer. Nettoie, tu peux la nettoyer. Ouais, ouais, merci. Voilà, c'est bon. Bon. Alors, ça, c'est pour l'apéro. Tu aimes? Oui. Trop bon, hein? Merci. Trop bon. Merci, chef. Tiens. Acheter des piments pour moi, ça vous mentir, je ne peux pas manger sans piment. Je n'en sors pas, je reste là. Non, vous pouvez commenter, hein. Mais c'est quoi ça fait déjà? Ah, peut-être qu'il joue tout le temps, il joue tout le temps. Comme il joue tout le temps, bah c'est à lui, je vais lui remettre ses fétiches. C'est pas. Après, après les super 10 du 2000, c'est pas pareil, comme pareil. Ok. Les gens dépensent pour les jets ici. Hein. Je vais lui remettre ses fétiches. Connexion. On va parler de la saleté, l'insalubrité que ça cause comme maladie. Donc, ils disent, attends, ils disent, tu es revenu avec tes listes. Dis ton jeune a bloqué ton compte, je crois que tu as créé ton compte. Et non, ouais. Ce que je n'aime pas quand je ne te vois pas dans mon champ de visualité, non. Mais on ne se cache pas avec mamie, ce n'est pas bon pour moi. Que mamie, ma tête ne tient pas, je vais commencer à crier là que tu es où, tu es où, tu es où, tu vas dire que tu étais où. C'est mon travail, c'est le travail. On va me payer pour ça. J'ai négocié le prix. Attends, il est où il veut prendre ces trucs? Là, les ongles, alors regarde là, la saleté. Regarde maintenant, j'arrive là où il y a les veines, Joe. Maintenant, les ongles sont tous partis. Là, deux ongles sont partis.
Bah, avant c'était perdu tout ça. Oui. Ah, on ne sait jamais, hein, faut que tu encore. Il faut encore bien, il faut bien contrôler, hein. On ne sait jamais. On a déjà gagné. Bonne journée. Bonjour. Au revoir, à bientôt. Allez, on y va. Tu as fini tout ça. Non, mon gars, tu n'es pas passé là. Hein? Allez, viens, on y va. Here we go. Here we go. Marche. 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 Halte. Chapeau. Marche. 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 Allez, avance, marche. Avance, marche. Marche. À droite, droite. Droite. C'est extraordinaire. D'abord, une petite fille, franchement, je vous le souhaite, hein. On y va. Avancement. Vas-y, salut, allô. Vas-y, pas dit bonjour. Ici, ici, on mange quoi? C'est des pâtes, des viandes, tout. Des pizzas, des pâtes, des viandes. Ouais. D'accord. C'est cher, hein? C'est, non, ça, ça va, c'est... regarde. Les prix sont là. Non, mais ça va. Ça va, dame. À bientôt, alors. Hein? À bientôt, ouais. Ok, bien. On va payer, on va payer du, bien, on va payer du piment. Allez, bien. Wow. Allez. Alors, ça, c'est un magasin de très chic de Carcassonne. Ici, ici. Tu viens? J'ai une bonne chose, là. Et tu vois des trucs là, c'est très classe, très joli. C'est quand même cher, hein? 19€ la chemise. Hein? Oh, c'est magnifique, franchement. Bonjour, monsieur. Oui, oui, oui. C'est très joli. Non, mais je fais un petit tour à Carcassonne. Hein? Si, ce n'est pas la gnagnon, c'est la classe. Ah ouais, très joli. Bonjour. Vous avez des très belles choses. Hein? Bravo. Hein? Ah oui, bientôt il y aura les chapeaux. Oui. Mmh. Ah, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Donc, je vous invite à. À venir à Carcassonne, c'est pas, je ne sais pas quelle marque c'est, mais bon, mais c'est une grande marque quand même, parce que je ne sais pas. Vous savez, il y a des marques, pas seulement des grands anciens, hein, c'est très joli, il y a des beaux, en plus ils ont des beaux motifs, regardez, très joli. Ah ouais, c'est très joli, il y a des, voilà. Je ne quitte pas de Carcassonne si je n'ai pas ça. Ça c'est très classe. Mmh. Ah ouais, c'est magnifique. C'est ça qu'il me faut. Les initiales SC, ça veut dire... Lola Casanimont, c'est une marque espagnole. C'est une marque, marque espagnole. Lola... Casanimont. Casanimont, marque espagnole. D'accord. En tout cas, c'est très joli. Je passerai à l'occasion. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, dis au revoir. Au revoir. Ça dit au revoir. Thank you.
Derrière, c'est pour lui, hein. C'est pour... Mais il y a des pièces, là. Bah oui. Il y a des pièces à la boîte. Comment? Bah oui, il a les pièces, mais bien sûr, il vit avec ça. Hein. Ça, c'est pas facile, tu sais. C'est des gens qui sont très malheureux. Hein. Oui, il n'y a pas de pièces. Mais il y a des pièces. Oui. Oh! C'est la cloche. C'est la cloche. C'est celle que là-haut, la cloche. Bah oui, il y a une cloche là-haut, oui. On va aller voir maman. On va aller voir tati. Et papa, tu as papa, papa? Quoi? Ton papa. Ton papa. Et à quoi? Vous ne commentez pas pourquoi, vous ne mettez pas les cœurs pourquoi. Il n'y a rien à jalouser. Ah. Oui, mais on va d'abord payer les piments. Ouais, on va voir ce qu'on va manger aujourd'hui. Bah oui, moi je ne peux pas manger dans, je pas dans une maison où il n'y a pas de piment. Il faut pimenter la vie, ma chérie. Vas-y, montre. Attendez ça. Et non, quoi? Et non, s'il te plaît. Regardez là. Vas-y, monte alors. Mâche. Mâche. Soldat. Soldat, mâche. Le goût de ça. Ouais, de notre fondue. Tu auras la chance d'un jour. On peut tout avoir. On peut tout perdre. Oui, Lolo. Je suis comme tu dis, j'ai un gros ventre. Je suis sale. Ce que tu décris, c'est qui a fait ceci même. Vous savez, toi, j'ai tellement la haine avec toi que ça te mentit que ton nom doit te sortir de ma bouche. Parce que tu es foncièrement méchante. Hein? Méchante. Mais oui. Les gens construisent parfois, tu dis que ah, tu ne parles plus d'eux. Mais tu vas tourner, 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 tu vas te retourner sur eux. Hein? C'est quoi? La petite fille, si toi-même tu l'as insultée ici, l'autre tu as oublié. Hein? J'ai dit que l'autre a servi ma chaîne, tu as dit tout. Mais quand je recommence tout ça, quand j'écoute tout ça, j'ai dit que merde, tu m'as avec qui? Hein? Ah, je ne parlerai plus jamais avec toi. Le lendemain, Marco. C'est comment ma veuve, ça va? C'est ça. Pour moi, ce qui est important, c'est que si tu pouvais me parler comme ça, alors que tu aimes quelqu'un, hein? Oui. Tu pouvais me parler comme ça, alors que tu vois ma veuve, une belle voiture, que tu aimes une vie meilleure que la mienne, hein? J'ai dit que oui, tout le monde allait croire que oui. C'est moi qui coude derrière toi. Mais quand on me voit, toi et moi, on voit très bien nettement la vie de quelle personne marche, parce que ma vie marche. Ne t'inquiète pas. Oui. Oui. Moi, je t'ai aidé. Et les gens disent que, oh, elle peut aider qui? Parce que vous n'aimez pas entendre la réalité de l'histoire. C'est pourtant une réalité que d'autres vous ne connaissez pas. Il y a des gens ici qui sont là comme cela. Ils sont là comme cela. Ils vont la grande de la fête. Alors que rien, derrière rien. Je dis bien que rien. Et quand ça ne va pas, on vient chercher la grande gueule. Oh, sa télévision, qui te fait changer la vie comme ça? Tu as aidé qui, Lolo? C'est que je faisais ta facilité, mais tu as aidé qui, Lolo? Tu as aidé quoi? Qui va dire que oui? T'as le nom m'a envoyé 1 €. T'as le nom a fait ceci, non. Au lieu de toi, tu es une mangeante. Tu es une commandeuse. Oui. Même si moi je commande, mais je ne mange pas seul. Mais je te donne.
Alors, tu transformes ça en disant que je te payais. Parce que j'ai voulu l'amitié, mouf. Amitié de quoi? Au contraire, j'ai pitié de toi. Il faut avoir pitié de ta morphologie, il faut avoir pitié de toi-même. C'est tout. La vie ne fait pas ça, hein? Ah! Elle aime ça les cœurs, elle aime ça manger les cœurs. Hein? Vous êtes trop radin. Hein? Elle aime ça manger pas les cœurs, je suis encore là pour longtemps. Hein? Il y a rien ici, hein? Il y a rien. Il y a mon égramme. C'est les deux là. Vous envoyez un petit cadeau pour elle, vous voulez acheter une robe pour l'été. Vous pouvez faire ça. Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez même pas envie et vous ne voulez pas. Oui, laissez-moi avec ma pauvre fille, ma petite fille. Nous sommes pauvres. On va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. C'est tout. Quel genre envoie quoi que ce soit ici à la même voie, je n'ai pas fait. Les gens qui lui envoient l'argent. Oui. Elle n'a même pas fait un être humain maintenant. Elle mange plus de céréales le matin. Hein? Et puis tu vas avoir un salopard qui va se dire que son père est où? Vraiment. Son père est où, hein? N'oubliez pas que Namango nous a fait pendant les fêtes ici, pendant la Covid. Et Namango a dansé ici. C'était grave ici à Facebook avec moi. Un petit fils. Alors, vous ne pensez pas à notre star? Elle a grandi devant vous, elle a 3 ans. Devant vous. Les injures de ça. Hein? Elle vous demande quelque chose? Oui, ils sont comme ça. Ce sont des mauvais gens. Tu veux qu'on ait fait un tout? Mais ce n'est pas bon, hein? C'est pas joli. Hein? C'est pas joli, ça. Bah, c'est sale, hein? C'est sale. Ça n'a pas nettoyé. Ça n'a pas été nettoyé, hein? Tu as vu les dessins. Allez, viens, bon, ça sent mauvais. On sort de là. On sort de là! Non, mon gars n'est pas facile, elle dit qu'on sort de là. Attends, mon gars. Non, allez, viens là. Ça, c'est du caca. Bah, les caca, du pigeon. Il est devant toi, il y a un pigeon. Cours. Allez, donne la main. Le pigeon. Le pigeon, le pigeon. Ah, ça sent bon! Ah oh, là là, ça sent bon! C'est du sapin là, le sapin là! Ça sent très bon! Il est là! Tu entends l'odeur là? L'odeur, oh! Ah, oh, ça parfume, c'est beau! Merci pour ces beaux cheveux. Il est rouge, non. Oui, elle est rouge, oui. Elle est rouge, c'est pas ça. Viens en bas de ce côté. Voilà, voilà, voilà. Pam, pam, pam.
appuie. Dans ce rouge là. Fort. Ouais, elles vont s'arrêter. Viens. Viens. Vas-y, vas-y. Cours. C'est pas vert, c'est pas vert. Viens, viens, ma. On n'a pas la chambre, papa là-bas. Papa n'est plus. Les gens qui sont qui rêvent d'être à ma place. Maman, la voiture, c'est la voiture, les Celica, si. Maman, les voitures, c'est un chauffeur payé à mon époque, les Celica. Maman, où c'était le nom? Où c'était le nom que les gens voulaient seulement? Les gens voulaient payer les voitures ici. 4 000, 3 000 euros ici en France. On a pris le pays là comment? À Bruxelles. On dit que Celica, la Celica, maman. C'est-tu la Celica rouge? Hé, hey, hé. Hey. C'est un chauffeur au Cameroun. C'est... Bonjour. Oh. Et toi, je te dis merci. Je dis merci, merci, merci. Merci, merci, merci pour les étoiles. Merci, merci. Merci pour les étoiles. Oh là là. Merci. Merci pour les étoiles. Merci. Merci. T'as le bouton. Non, il n'y a pas le bouton. Oui. Bah, allez, viens. Viens. Oui. Là-bas, c'est vert. Tu as vu, c'est vert là-bas. Oui, c'est vert là-bas. Allez, allez, on coupe. Wow. Viens. Mais il y a un peu de star là. Namango, c'est une star. Elle est devant vous ici là. Là, on est ici aujourd'hui. Namango grandit. Ma gueule, c'est un jour. Voilà. Bon, on va parler du choléra. Il y a 50 personnes. J'attends qu'on dise qu'il y a le choléra au Cameroun, mais... Le courant est ici là avec la saleté. Si tu dois t'enlever la saleté, tu ne te laves pas. Tu n'as pas une bonne hygiène de vie. Hein? Vraiment. Forcément, peut-être même pas ça. Peut-être même. Au Cameroun, il y a des gens vraiment qui sont sales. Sales! Il y a des gens qui sont sales ici, droit, sales, que sales. Oui. Être négligent, moi je suis une femme négligente. Les gens, c'est vrai que je mets toutes mes choses partout et tout ça, je fais ma petite vie comme je veux, mais ça ne va pas que je suis sale. Vous comprenez, moi je suis une personne comme Baratan. Oh. Je suis chez moi, il n'y a pas de copain, il n'y a rien. Je jette mon slip là où je vais arranger le lit chaque jour pour que qui va dormir dans ce lit là. Donc j'arrange le lit que les fantômes viennent dormir dessus. Non. Ce qui se passe, c'est que les gens confondent la saleté et peut-être avec les. Comment on appelle ça? Le bâtard que tu peux foutre chez toi, quoi. Bon, je vais dire une chose. On a décrété les cas de choléra au Cameroun. Oui. Mais les cas de choléra sont où? Est-ce que c'est normal qu'en pleine ville, les gens qui élèvent les porcs au Cameroun là-bas, ils élèvent, c'est quand on dit les porcs de champ. On élève les porcs dans un endroit spécifique, en plein air et tout. Vous venez élever les porcs. Hein?
Regardez, hein, les gens qui font dans les marchés, les chèvres là. Ils lèvent les chèvres où? Hein? Ils lèvent les chèvres dans la zone des enclos, hors de la ville. Et maintenant, ils ont les étangs, hein, ils ont les étangs en ville. Là où ils vendent là, leurs chèvres. Et les soirs arrivés, ce que les chèvres n'ont pas vendu, ils retournent avec dans l'enclos. Mais non. En ce qui concerne les porcs sont nourris au marché. Élevés sur place. Est-ce que c'est normal ça? Hein? J'adore les porcs, hein? Mais moi, je veux manger un porc qui est bien élevé, qui était bien, tu vois, pour qui c'est bien, qui était pas négligent. Hein? On lave le porc uniquement le jour qu'on va vendre le porc. Oui. Attends, bonjour. Hein? Bien. Il y a des belles choses. Hein. Regarde, moi, regarde le prix. 16 euros. Moi, c'est comme moi, je peux faire penser à mes maman ne mange pas le. Et, un petit truc là comme ça. Maman. J'aime bien. Bon, allez, on va. Hein? Tu veux quoi? Bah, tu vas demander à. À la dame. Okay. Wow. T'as vu le poisson là? C'est le gros poisson. Ça c'est le gros poisson. C'est un gros poisson. Ça c'est un poisson, hein? Hein? On va le couper avec le couteau. Avec le couper, on va le couper avec le couteau, oui. Le petit couteau. Le grand couteau. Oui, il est froid, je ne sais pas. Bon, on va le prendre, on va voir combien ça coûte. Ça coûte. Et ça, ce sont des... Encore un... Ah, ça, c'est... Bah, ouais, j'aime bien. Celui-là, il est mort. Il est quoi? Il est mort, il est... Mais l'autre aussi est mort aussi, les deux sont morts, tu sais. Les deux? Mais oui, si c'est que congelé, tout ce qui est congelé est mort. Pourquoi il est mort, les deux? Mais parce que... Non, je veux prendre celui-ci. Je veux quand même pas. Moi, je veux prendre celui-ci et... Ça, là, c'est... là, je veux prendre ça pour Paris. Et moi aussi, je veux le pour Paris. Bah, attends, mais tu veux... Attends, tu vas voir. Tu vas voir. Ah, il y a du poisson. Ce sont des sardines. Ouais. Maquereau cru, congelé. Oh, on ne sait pas. On sait un peu qui est maquereau, qui n'est plus maquereau. Hein. Ah, tenez. C'est très bon. Il y a un poisson là, mamie. Hein? Il y a un poisson où? Là. Oui, mais attends, on n'est pas là à la pêche. Ah oui, ça c'est bon. C'est un poisson comme les poissons. Oui, on va prendre celui-là plutôt. Celui-ci, on va quand même essayer. On va quand même essayer de combien ça coûte. Bah, tu veux pas une sucette? Maman, même les poissons vous faites maintenant mal au cœur. Hé hé, les têtes de mort. Hé hé, les têtes de mort. On va juste regarder, on va juste peser pour voir combien ça coûte. Ouais, c'est vraiment, c'est un poisson conséquent. Voilà, mais j'aime bien celui-là. Jamais mangé. Ah oui, j'ai jamais ce poisson. Il est très bon, il est très savoureux. Celui-là. Regarde, il y a le plantain là et tout ça. Attends. On va quand même peser ce gros poisson. Pour voir combien. C'est de gros poissons. Avance. Non, tu ne vas pas te taper de gros poissons. Tu vas manger tout le gros poisson. Maintenant, tu vas manger le poisson. Attends d'abord.
Il y a des yeux de tout, toi. Viens, regarde tout. Viens, regarde tout. Viens, viens, viens. Non, ce sont des encens. Pour que la maison sente bien, sente bon. Pour enlever les mauvais esprits. Ah. Regarde, mamie. C'est joli, ça. Non, touche pas, touche pas. Viens. C'est sympa. Il n'y a pas acheté du piment. Ah oui, je n'ai pas acheté du piment. Tu as raison. Allez, on va prendre du piment. C'est la sauce piment. Sauce piment là. Pour les nouilles et tout, c'est très bien et tout ça. Bon. De rouge. Moi je veux prendre ça. Et parce que moi j'aime bien manger mes bananes. Et moi aussi. Et toi aussi. Non, c'est pas pourri. Je vous ai dit, pourri. Non. Si, il y a un peu pourri un petit peu. Mais non, mais non, mais non. Mais aussi, on va prendre du piment. Viens, on prend du piment. On va prendre du piment. On va prendre du piment. Et où est le piment? Ah ouais, ça va piment dans notre vie. Du piment. C'est du piment. Ouais. Comment? Pourquoi je fais du bruit? Non, je prends cinéma au collet. Il y a des bobolos. Mais madame, c'est même pas encore. Attends, je vais vous ouvrir un peu. Maman, j'achète comme ça, maman. Moi, j'aime bien manger la bonne nourriture. Donc, du bobolo. Maman, regarde, maman, elle, ça là. Maman, 1 euro, c'est comme ça. Maman, 3 euros. Excusez-moi. La maladie vient de recommencer. Celui-là, je connais déjà. Mais c'est Santa qui est impressionnant. Quoi. Ouais, un peu. C'est très bon. Celui-ci. Chante une chanson de ton école. Voilà. Ah, on chante à haute voix. Mais on te regarde la télé, hein. Chante-toi bien. Tu te comportes bien, tu chantes bien. Tu sais comment l'école, tu sais comment tu chantes à l'école. Hey, il est dans mon goût. Fini, Adam, fini. C'est un processus ici pour servir ici. Hein. C'est ma cacassonne hein. Ici, on se met en rang.
Je vous ai... Attendez, d'ailleurs, parce que je suis là. Combien ça coûte tout ça? C'est gros, hein? Ah, bah oui, hein? C'est gros. Tu peux voir combien ça coûte, le kilo? Au revoir, maman. Oui, c'est sec. Tu attends d'abord, hein? On va te couper de nous. C'est un poisson que... Ah non. Je devais amener ça à Paris. Si ça m'en plus, je paye ça. On va mettre à côté. Oui. Et ceux-là. Oui, on met ça là comme ça. Les plantains. Viens, 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 donne-moi ça. Les bananes. Mais attends, les bananes, attends. Vous connaissez ça? Non, ça. Ça, non. Ça, je veux mettre, je veux mettre ça à côté. Mmh. Je suis encore à Carcassonne, donc... Waouh! C'est joli, le poisson. Oh, c'est trop joli! Ah, mais ah. Et ça, les piments? Voilà, c'est bon. Non, pas le piment! C'est oui. Deux bobolons, hein, c'est pas toi. Non, je dis 3 euros. Ah, ok, 3 euros, oui. Voilà. Les piments aussi, ça aussi? Ouais. Ouais, ça aussi, oui. Voilà, 24. Oui. Ok. Ça, attends, je vous ai pensé. Vous pensez que vous D'accord. Vous mettez quelque part? Vous mettez quelque part? Oui, vous parlez ça. Je viens prendre demain, d'accord. Bonjour. Ok, vous ne prenez pas la carte bleue, c'est pour non. Ça. Pourtant, ça serait bien d'avoir la carte bleue aussi, hein. Vous dites le patron, hein, moi, c'est pas patron, moi. Mais tu es la femme du patron. Non. La femme du patron, lui, c'est le patron. Il veut pas, hein. Bah oui, mais c'est oui, pas bien. C'est pas... Bon, les cartes, c'est bien. Ça nous l'allonge aussi, parfois, il y en parle. C'est le responsable. C'est pratique, hein, les cartes. Hein. Les cartes sont pratiques. Si tu prends la carte, tu augmentes le prix, voilà. Attends. Oui. Même là, c'est le frais de la carte. Hein? Mm-hmm. Merci, madame. Merci, madame. Voilà, bonjour, madame. Madame, il faut payer une sucette, la petite. Une sucette. Excusez-moi, je peux juste manquer ça, je suis pressée. Excusez-moi, madame. Elle a besoin d'une sucette. Il n'y a pas de sucette, hein? Il n'y a plus de sucette? Non. Oh. Non, mais ça touche. Excusez-moi. Oui. C'est perturbé, là. 280, là. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Tu veux une sucette? Viens chercher.
Quoi? Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça au tournant là? Mais tout est à court, ma tête. Comment c'est grave? Hein? Voilà, ça devait être sûr, non? Non, tu vas manger tes chips, tu prends tes chips, d'accord? Voilà. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ok. À bientôt. Laisse la caméra. Bien. Bonjour. Elle ne vous a pas vu. La directrice de nous, tu n'as même pas vu ta maîtresse. Ça va manger ça? Il y a quoi? À Facebook ici la semaine pour parler des mauvaises choses. C'est que le pipi là, le jazz va augmenter. Oh, ah. À force de manger ça, le goût. And I went to jail. What? Yeah, what? Man. Come on. Oh, my joie de vivre. Les stars Blakata, ceux qui disent qu'elles sont influenceuses là, je parle avec, je peux répondre qu'aux vraies stars. Maman, j'ai le compte, je suis un conteneur de femmes, que ça vous plaise ou pas. Moi, mon compte, moi et mon immeuble ici. Toi, tu vas die comme tu es né, t'as rien. Je peux te me parler.
J'ai des bonnes choses pour me prendre, mais il n'y a pas d'âge à ma choix de vivre. Jamais. Viens, ma. Viens. Dans la vie, c'est comme ça. On me prend tout, je me suicide et je meurs une fois. Regardez, on fait quoi sur terre? On reste sur terre parce qu'on veut vivre, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait rester sur terre pour vivre. Qui nous tient debout. Qui nous apporte la joie de vivre. Hein? Toi, tu vis pourquoi, Lolo? Tu vis pour qui? Un mari, tu n'as pas, les enfants, tu n'as pas, tu n'as rien. Tu apportes quoi aux gens? Que la malédiction, que la saleté que tu racontes dans les réseaux sociaux, que ta sale misérable bouche. Tu entends? Voilà. Moi, j'ai la joie de vivre. Oui. Tu as fait du mal aux gens dans les réseaux sociaux. Tu as qui là? Dans des pays où tu portais souvent le Gabon là-bas. Quand on parle de ça, des gens disent que non, c'est pas vrai, c'est vrai. Moi, où je suis, t'as dit que c'est ta tombe. Tu me vois aller signer dans le tirage de gagne du 17e. Tu vois là où je les vois, hein. Mais tu vois là où je les vois. Ils fréquentent le même milieu que moi, hein. Donc, toi, compte ta vie, c'est les étoiles. Mais, c'est bien beau de t'aider. Moi, je vous dis que, j'ai d'abord dit que les gens qui me regardent là, si vous ne mettez pas les étoiles, vous ne mettez pas le cœur. Ça ne sert à rien. Je finis mon jeu là, je vais vous bloquer. Ce que c'est ça. Je m'en paye. Oui. On est tous des Camerounais, non? C'est ça, non? Ils sont venus à l'Europe, non? Cette débrouille, moi, j'ai lavé le feu aussi. Quand mon mari est mort. Je suis débrouillé ici avec qui pour m'aider? Personne! Personne! Aujourd'hui, une chose comme le loup, qui ne fout rien dans sa misérable, pauvre, misérable vie de crabe, elle vit en otagie. Maman, je vais comme. Elle vit en otagie. Ça va, ne vous m'en pas, hein? En effet, elle n'a jamais travaillé. C'est petit misérable papier qu'elle a. Donc tu vois, j'ai pas le papier, j'ai pas 10 ans, j'ai 10 ans. Toi, tu as quoi? Tu n'as même pas le papier, tu n'as rien. Tu ne vaux rien. Je vais dire à tout le monde entier que tu as publié les femmes nues dans les réseaux sociaux. Pour te faire voir. Avec ton mari, Otam. Par contre, Otam, c'est ton vrai mari. Tu l'as aimé. Hein? Tu as aimé Otam. Tu as aimé Otam, vu que ce n'est plus bon. Tu as peut-être fait la fin là-bas, un truc vitro là-bas en Espagne, avec Otam. Quand tu le ventre comme l'éponge, l'enfant n'est pas resté. Tu peux l'avoir dansé, tu peux faire la psycho. Tu peux faire la psycho. Tu sais, c'est pas montrer ton corps, je suis belle, j'aime des belles. Tu n'as rien du tout, tu n'as rien. Tu es la plus misérable barnique qui existe. C'est que toi et moi, c'est one time. Je te lâche pas dans le temps. Voilà. Namon, reviens. Appuie, tu appuies bien, appuie pas. Voilà, tu appuies. Oui, même si je veux Dieu me prend toi, hein, Lolo. Oui. Même si je veux Dieu me prend, ne dis pas que. Dieu a dit que même les hommes, même les femmes qui n'ont pas accouché, hein. Ils savent pourquoi ils n'ont pas accouché. C'est eux qui vont peupler le monde dans l'au-delà. Toi, tu vas peupler quel monde? Parce que quand on t'a donné l'autorisation d'accoucher, tu n'as rien fait. Oui, viens. Parce que tu es narcissique et égoïste. Passe. Allez, on y va. Tu en veux aux gens. Tu en veux la vie des gens. Mais c'est marrant de voir sur Facebook ici. Oh, on ne peut pas parler des femmes. On n'insulte pas les femmes. Hein. Les femmes qui n'ont pas accouché. Merde. Tu as eu le temps d'accoucher. Hein? Apparemment même, Niat, c'est ton fils. Niat m'a dit ça. Niat m'a dit ça. Hein? Niette. Voilà encore l'histoire. Niette m'a dit que c'est toi. Que tu étais sa mère. Vrai ou faux? Et que tu l'as abandonné à cause de la poubelle. Vous voyez, j'ai acheté des personnes. Mais comme tu ne l'as pas connu, tu as fait un déni de grossesse, tu as fait un déni d'enfant. Hein? Tu l'as abandonné. Niette m'a dit. Oui. Tu es grand-mère. Tu as des grands-enfants. Mimi veut répondre que ta copine a quel âge? Hein?
tu es minable devant la petite fille. Je suis minable, hein? Oh! C'est ça que je dis. Je suis minable, mieux vaut. Moi, moins. C'est ma petite fille, hein? Comme lave, je vais vous tuer, vous tuer, vous dégage. Ça chienne. C'est ma petite fille, hein? Ah ouais. Non, non. Viens. Non, non, c'est devant ma petite fille. Le syndicat pour ma petite fille. C'est là, j'ai vu sa maîtresse. Hein. Viens, non, ma copine de Carcassonne. Viens, moi, installer le salé thème. Hum? La vie, c'est comme ça. Quand tu es touché, je vais te toucher jusqu'à l'os. Quand tu vas sortir, la honte va te tuer. Ton fils est niaque. Niaque. Demande au monde à dire, niaque, tu veux quoi? Viens, donne-moi la main. Non. On va changer de côté. Bon, alors, marchons comme ça. Pourquoi on marche dehors? Non, c'est ton fils. C'est demandé qui m'a dit. Tu sais, bah, mais comme ils sont hypocrites, ils ont dit, ils savent que c'est ton fils. C'est pour ça qu'on ne t'invite pas. Parce que tu as abandonné Niak. Niak, bah, c'est ton fils. Ton premier fils, tu as abandonné. Oh. Allez, là tu peux marcher, là maintenant marche. Là tu peux jouer, tu peux marcher. Nya, c'est ton fils qui sort, tu veux que la balle sur ton fils. Oui. Nya, Nya, c'est ton fils, la balle de Nya, c'est qui? Demande à Panthère, comment la Panthère? Hein? Tu vas dire la vérité. Nya, c'est ton fils, oh, maman. Regarde le visage de Nya, regarde le visage de Lolo. C'est le même visage, regarde bien. Regarde le long projet, regarde Nyat. Regarde Nyat avec Drame la Panthère, c'est le même visage. Tu abandonnes ton enfant et ta petite. Tu l'as abandonné, va te détruire. Je sais qu'il va te faire ça, tu pur et tu. Tu abandonnes les enfants. Nyat a combien d'enfants aujourd'hui? Nyat a combien? Viens. Les fleurs. Ben, on va pas prendre les fleurs aujourd'hui. On va prendre les fleurs samedi, d'accord? Oh oh oh, Nyat. Ben oui, il y a des jolies fleurs, c'est vrai. Ah, pour parler de piment. Après, on va aller voir papy. D'accord? On va voir papy au travail. Oui, voilà. On va voir papy au travail. Oui. Pourquoi on va voir papy? Mais parce qu'on va faire quoi après? C'est vrai, celui qui ne te lâche pas dans Yota. Nyato, Bano! Hein? Pourquoi Nyata en veut? Tu lui as fait quoi? Tu as fait quoi? C'est ton fils que tu as. C'est ton fils, le fils des entrailles. Tu le sais très bien. Tu sais très bien. Hein? De l'eau. On va à la maison à côté. On va boire de l'eau, d'accord? On est déjà arrivé. Stop. Allez, viens. Nyato, mon ami Nyat. Pourquoi Nyat est. Maman Nyat insulte. Nyat insulte les fesses de sa propre mère. Le lot, tu le. Nyat, c'est ton fils. Nyat, Baran, c'est le fils de Lolo. C'est vrai. Écoutez, hein. Lolo, à quel âge? Lolo, j'ai dit, ah, maman. Lolo, Nyat, Nyat, à quel âge? Ne regarde pas comment il est. C'est un jeune, hein. Ne regarde pas comment il parle là, comme s'il peut faire ceci. Ouais. Il n'avait pas 40 ans, comme vous le voyez là. Hein, Lolo, c'est ton fils, non? On va jouer au ballon ici, toi et moi. Tu connais un ballon? On va jouer ça. Tu as tenté à ma vie. Tu m'as humilié. Tu as cru que tu étais devenu quoi? Je dis que le peuple Cameroun doit savoir que Nyat Barano, c'est le fils de Lolo. On y va. C'est ton fils. Parce que parfois, je dis que maman, je sais même c'est qui. Tu as une femme qui abandonne son enfant. Tu abandonnes ton enfant qui est Nyat Barano. C'est ton fils. Tu as des petits enfants là-bas. Il n'a pas de bamileke, ça va ça. C'est pour ça qu'il ne t'aime pas. Il ne veut pas t'inviter dans leur soirée. Il ne veut pas parce qu'ils savent que tu abandonnes. Pourquoi tu ne t'invites pas? Pourquoi tu ne t'invites pas les soirées? Parce que tu es une femme indigne. Tu as abandonné ton fils. Tu l'as jeté dans la poubelle. Comme la Panthère, c'est ça. Parce que ça manque comme la Panthère qui a fait venir Nyat ici en Europe. Regardez bien le visage de Nyat. Il a le même, il ressemble à sa mère.
Le même train. Là, le nom Kodja. Le nom Kodja, voilà ton fils. Il n'y a pas que l'âge de ma fille. Oui. Il n'y a pas que l'âge de ma fille. Il a peut-être de la trentaine. Ça, c'est vrai. Nyat, c'est ton fils de Lolo. Nyat, c'est ton fils. Ne te lâche pas dans Yota. Alors là, tu m'as cherché à me trouver. Ouais, regarde. Nyat, c'est un jeune. Les enfants, Nyat, ont quel âge? Ils n'ont pas Nyat, ont l'âge de Namongwe. Hein? Ben oui. Elle a abandonné. Tu as abandonné ton fils Nyat, le long Kodja. Tu l'as abandonné. Hein? On dit que oh, ton enfant était mon-né. Mon-né où? Hein? Non, c'était Nyat. Que non, elle avait fait une fausse couche. C'est faux. L'enfant est né. Elle est partie abandonner Nyat dans une poubelle. Donc, c'est une femme qui jette les enfants. Et c'est vous, votre argent, à donner, vous donnez les étoiles à une femme qui abandonne les enfants. Ça, c'est vrai. Hein? Oui. Oui, elle a abandonné. Elle s'est retournée à Douala. Ou qu'il avait violé pour l'enfant, on ne sait pas. Vous voulez qu'on a les archives à Kribi, je vais chercher. Bravo. Bravo. Voilà. Vous savez, il y a eu un phénomène quand j'étais toujours comme ça au Cameroun là-bas, on disait que les femmes abandonnaient les enfants dans les poubelles. Non. Elle fait partie des femmes qui ont abandonné les enfants dans les poubelles. Oui. Tu as abandonné ton niet aux poubelles. C'est la maman de Cam la panthère qui l'adopte au Cameroun et qui l'amène en Belgique. Oui. Niet a grandi en Belgique. Voilà, même Cam la panthère avait dit ça. Comme on a ta mère là-bas. Il passe son temps à bavarder les réseaux sociaux, à bavarder partout. Il a insulté, il avait une Nyat bien, il a dit que tu n'es pas mon frère. Tu es un garçon qu'on a récupéré dans la poubelle. L'autre, tu fais partie des femmes qui jettent les enfants dans les poubelles. Hein? Oh, oh, sortez, oh, les graphistes. Les graphistes doivent sortir, oh. Voilà votre. Votre soi-disant influenceur de l'État qui a abandonné l'enfant, la poubelle. C'est venu trouver ici, non? Wamo, wamo, sateo. Aïcha Kamoaz, fait que la bouche l'avait tes pieds de fer là. Viens parler. C'est un secret, c'est à part tout le monde le sait. Pourquoi les Bamiléka n'aiment pas le lot? Parce que c'est une femme qui fait du mal aux gens. Voilà le problème. Wow, oh, oh, la vie c'est la chance. Oh, Nyato, parano. Va te venger. Viens. Bon, on va acheter quoi là? Attends. Wow, oh, oh, la vie c'est la chance. Moi, je suis ma petite fille. On partage le même sac ensemble. Oh, énonce, tout énonce. Les bons secrets savent très bien. Tous les bambins, pour moi, c'est que le peuple bambin est très secret. Voilà le problème qui ne va pas. Ils sont très secrets, c'est pour ça qu'on ne l'aide pas le lot. Parce que c'est une femme qui a commis un crime. Elle a abandonné, elle a jeté un enfant. En croyant que l'enfant était mort à la poubelle. C'est comme ça que la maman de Cam ou la panthère récupère l'enfant. Elle a accouché. Tu as accouché de l'eau. Ouais, ouais. Est-ce qu'on va faire le thème de ça dans l'émission maintenant là? Comment tu dis que tu as la bouche là? Tu vas te justifier comment? Niat Barano, le casseur des ambassades là, le gars de la brasse, c'est ce fils, le premier fils de l'eau. Elle a oui, étant jeune. Oui. Regardez bien. Hein? C'est ton fils. Tu as fait les vidéos, Nyat, laisse-moi, oh, elle ne connaît pas. Oh. C'est ton enfant que tu as abandonné, tout le monde le sait. Et je te demande que ta vie ne marche pas, pourquoi? Ta vie ne marche pas parce que tu as abandonné un enfant. Tu as jeté la poubelle. Tu veux boire de l'eau? Allez, on y va là-bas. Ouais, allez regarder le lot, ouais.
Il y a un problème, c'est que avec les banques à qui tu nous souvent là, les poules, il a vieilli. Il y a pas quel âge, il y a ton quel âge. Aucun n'a 11 ans ou 12 ans dedans. C'est l'enfant de l'eau, c'est le nom de Dieu. Regardez bien de l'eau. Regardez bien les fils de Niat. C'est son fils qu'elle a abandonné la poubelle. On va tout dire. Il a mon côté sang. On va faire ça trop dur. Bien sûr. Ah bonjour, juste un peu d'eau pour la petite. Oui, merci. Alors, ça a gagné? Non, on a perdu. On continue à travailler. Ah, il faut toujours, hein? Oui, c'est beaucoup aussi. Ah, tiens, tiens. Le mongo avait soif, hein? La coupe, hein? Merci. J'en pas mal. Non, 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 pas la haute. Tout à l'heure. Eh, viens là, tu as des trucs là. C'est bon ça. Allez, regardez. Regardez bien le visage de Niat. C'est le Niat, le premier, à l'époque des années 90. Quand les filles accouchaient là, ils jetaient les enfants dans les poubelles. Le nôtre, c'est la première fois qu'ils jettent les enfants dans les poubelles. Tu entends, non? Oui. Et quand on l'a confondu, elle a accouché seule. J'étais l'enfant. Et quand on l'a confondu, la fille pour venir errer à Douala, pour finir le bang à Douala. Tout le monde a la même vie. Hein? Cameron la Panthère, c'est un bandit, je ne le connais pas au bas. Il faut parler la vérité avec ton histoire de Cameron la Panthère. Hein? Moi, j'ai grandi ici à parler avec Cameron la Panthère. Les Japap, prenez la photo de Cameron la Panthère, prenez la photo de Nono. C'est le même visage, c'est la mère, c'est sa mère, je vous dis. Mettez Cameron la Panthère, vous mettez. Il n'y a pas Cameron la Panthère, Niat. À quel Niat ressemble à Cameron la Panthère? Non. Niat, c'est un enfant qu'on a retrouvé dans des poubelles. Que la maman de Cameron la Panthère veut retrouver dans la poubelle, ils ont grandi ensemble. Oui, demande-nous. Même toute la plupart des savent, ils savent, ils savent. Hein? Vous savez très bien ceci, c'est pour ça qu'on les bambine. Quand on dit que maman, tu as eu un cœur, tu as jeté l'enfant à la poubelle. On ne t'aide pas. Eh oui. C'est de ça qu'il s'agit. Manoron. Bon, viens. Elle dit Manoron. Ici, les secrets vont sortir. Tu vas dire là où je veux la putain quoi. Oui? Non, maman à la maison. C'est ton mari. Il est dans ta chatte. Pas DJ ou. Pas DJ ou c'était quoi? C'est juste sa famille m'a épousé. Il n'est plus avec moi, on n'est plus ensemble. Donc, il est là-bas à sauter. Je vais le prendre à sauter là-bas. Je ne suis plus avec lui. Attends, c'est une bonne question. On parle de vraies choses, tu me dis pas DJ ou c'est mon mari. Vous êtes des cerveaux mentaux ou quoi? Hein? Le type vous a marqué ou quoi? Va aller le prendre, non? Vous allez danser la piscine, il est là. Hein? Votre style vie, c'est ça, pas DJ ou. C'est mon mari, c'est lui, monsieur Degremont. Quand je pose au cimetière pour me poser les fleurs autour de mon mari au cimetière, je ne vous pas dire que mes condoléances, je ne vous pas dire que paix à son âme, non, pas DJ ou. Il m'a épousé quand? Il l'a bien vite. Bah, viens, va prendre ton d'abord, viens d'abord à la maison. Avance. On va prendre un pain. Non, on va prendre un caddie, non. On va juste acheter un truc, d'accord? Allez, on avance. Avance.
Et avec quoi? Ah oui, les tomates, il faut des tomates. Ah ouais, vous achetez des tomates. On va prendre les jus. Prends. Je vais plus orangina. Ouais, parce que j'aime boire des jus. Tu vois, on boit des muscadins chaque jour. Pas ton pas. Non, c'est Vincent de Gare Paris. Oh! Là, le soleil vient de pointer son nez là. Non. Elle dit, hein, pourquoi vous êtes juste comme ça, qu'elle? Quand on parle d'un dossier qui est comme ça, parce que c'est Lolo Pipi. Oui. Hein? Quand elle sort souvent ces gens ici, vous faites quoi? Tu vas me dire, hey, Lolo Pipi, tu vas me parler de 25 degrés à Paris. Rien à foutre. Il faut l'enfoncer parce que c'est une femme qui enfonce. Et oui, j'ai remarqué que dans votre show de Bamiké, là, ici à Facebook, oui. Tu ne vois pas ça? Mets ça là aussi. Mais, moi, c'est vrai, hein? J'ai fait une contention ici à Facebook. Voilà, maîtresse de. Il y a mon côté arrive là-bas. Oui, mais ta maîtresse. C'est elle, non? Regarde. Non, c'est pas elle. Non. Quand on parle des autres, vous ne parlez pas par rapport à quoi? Vous savez très bien que votre soeur Banyoké, qu'on appelle le long Fodja, elle a jeté un enfant à la poubelle. Et la maman, quand on a planté, a élevé Niat. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Un enfant que tu gardes dans le ventre, il naît un beau garçon, tu le jettes à la poubelle. Dans les années 90, parce que moi, j'arrive à connaître les années 90. Oui. Nous l'avons arrivé à quoi dans les années 80. Hein?
Ça, c'est un sujet qu'il faut parler avec les preuves. Avec des preuves. On y va. Voilà. Avec des preuves. Oui. Elle passe souvent avec des raisons sociales, défendre des causes que même l'a fait. Non. Le lutte a acheté un enfant garçon qu'on appelle Niak Barano. À la poubelle. Seulement comme la panthère qui venait prendre l'enfant. Ne soyez pas hypocrite. Regardez bien. Regardez le visage de Niat. Regardez le visage de Lolo. C'est le même visage. Long Lolo a fait fort. Long Lolo, tu as fait fort. Viens, et Namou, reviens. Les criminels sont cachés ici, appelés criminels. Criminels. Les vidéos sont là, vous ne voyez pas sur les vidéos. Hein? Seulement, Niat que Niat. Le nom Fodja t'a fait quoi? C'est sa mère. Le nom Fodja a 5 enfants. Elle a 4 petits garçons et une petite fille. Celle-ci, alors aujourd'hui, là, je ne finis pas de juste. Quoi? Il y a un chien là-bas. Il y a un chien, oui. Il a rappelé quoi? Allons dans la maison. Il a rappelé quoi, le chien? Hein? Il a rappelé quoi, le chien? Bah, il joue. Il joue à quoi? Bah, à l'entrée de Joujou, il récupère. Quand elle dit, oh, quand tu ne veux pas sortir avec moi, maman, je suis une femme intègre. Tu es une morte vivante. Tu m'as sauté la mort, non? J'ai failli mourir, non? J'ai failli mourir à table d'accouchement, non? Toi, parce que tu es allé tuer plusieurs fois. Je vais te démanteler ici à Facebook. T'attends, non? Vous avez peur d'elle, pourquoi? Pourquoi pas te regarder ces bêtises qu'elle fait là? L'autre, c'est qui? C'est rien, c'est le caca de la poule. En passe, c'est bien. Pas devant, on va préparer, on va faire le piment. Je sais pas directement faire le piment, là, je mange, je dors. Comme il va faire boire caca, on va peut-être aller à la piscine. Après, on va à la piscine, c'est papy. On va voir si on peut nager, hein. Je ne peux pas nager, moi j'ai peur. Mais avec mamie, tu n'auras pas peur. Mamie fait l'Olympien, hein. L'Olympique. Ola et au cochon. Quoi? Oui, c'est ton papy, oui, mais bon. Il nous attend déjà depuis le matin. Oui. C'est papy. Non. Vous avez peur de commander. Dites que vous qui êtes là, je vais vous faire la dictature. Une personne qui commente ici, qui passe seulement regarder seulement le pipi dans ce truc-là, je vous bloque vous tous. Vous allez voir. On va faire ça, Dieu. Si vous prenez pour qui? Non, je vais vous parler un peu. Hein? Attendez. Vous avez honte de parler de quoi? Une histoire qui est vraie. On parle d'une histoire qui est vraie. Vous venez me dire que, oh, Namango, vous mettez des cœurs de quoi? Vous avez peur de quoi? Là, vous faites peur à ce point-là. Regardez-vous. Vous dites que vous allez voir les various, c'est scam, c'est spream. Hein? Hein? Les various, c'est spream. Les gens ne sont pas là. Vous regardez là. Vous faites pitié à Sion. Vous regardez vous. Vous avez quoi? Eh, pardon, dis-moi pas. Vous allez voir rien, dis donc. Moi, je dis que maintenant, attendez. Je vais vous traiter.
Vous allez partir. Mieux vous partez même chez le nom Fondjana là-bas. Vous ne faites jamais rien dans ma page. Les partages, il n'y a pas. Et la même quoi, toi. Hein? Et la même quoi, je dis que hein? Les partages, il n'y a pas. Vous ne faites rien dans mes pages. De l'eau abandonner son pignate. Je le dis haute voix. Et les gens qui vont, m'indexer à ce niveau-là, je vais finir avec vous. C'est une procédette pour Max. Oui. Elle m'a sauvé la mort avec mon Dieu donné, si vous n'avez pas compris. Elle mourrait, elle pleurait, parce que j'allais mettre fin. J'allais mettre. Alors que j'avais un problème avec elle. Elle a ce que j'étais enceinte. Voilà. Mais tu es l'offre, je me reste pas chez l'offre d'Aoa, c'est tout. C'est quoi? Tu es l'offre de je te bloque, c'est tout. Tu fous pas dans ma page. Tu es l'offre d'Aoa, je te bloque, c'est tout. Il y a pas l'offre d'Aoa, je les bloque à vie. C'est tout. C'est pourquoi avec vous. De quoi? Oh, regardez. Bravo. Il ne veut pas être descendu. Maman, ça ne choque pas. C'est moi qui commande. Je dis que je sais que vous me détestez, que vous n'aimez pas de l'eau plus que moi. Je dis que je veux la détruire. Moi, je dis que c'est moi. Je suis né pour la détruire. Elle a failli me tuer. Qu'elle a décidé que Dieu donne dans mon ventre. Non. Quand je pense encore à ça, je dis que merde. Et c'est là qu'il revient vers moi, après que c'est moi qui parle d'elle. Je dis qu'un jour, il n'y a pas de pleurs. Je vais montrer que tu es une sadique. Tu as jeté ton propre unique fils à la poubelle. À la poubelle. C'est venu trouver ici à Facebook. Tes soeurs bambines qui savent que ça veut dire une chose. Écoutez-moi, quand je parle des choses, je ne viens pas dire que maman le sable. Tu entends? Ça ne va pas. Je parle des vraies choses. Vous devez, quand je parle, vous devez entrer dans le dossier. Sinon, tu ne parles pas, il faut que les mains le savent. Ça n'a rien à y voir, d'accord? Ça, voilà, moi je parle de ceux qui veulent, il y a personne qui commande. Laissez ma petite fille tranquille, c'est moi qui parle là. Pour dire qu'il y a une chose en série. Une chose qu'on appelle le pipi. D'accord? Pomme de France alors. Si vous ne voulez pas commenter chez moi, taisez-vous, fermez vos gueules. Je veux parler seul. Et voilà une chose en série qui est là, le pipi. Une femme qui a tué, une femme qui a mort, qui a privé les femmes nues, qui a fait du mal. Quand je parle, au lieu de m'encourager que nous en parlons, non, vous allez avoir commenté seulement. Mais le jour qu'elle va parler de moi, elle est partie vers les gars là-bas. Donc c'est bon là. Mieux vous ne commentez même plus chez moi. Oui. Je dis que hein, je suis son médicament. Elle ne pourra rien faire dans sa vie. Secret de famille de Bamiyeke, une de vos soeurs, elle a jeté son fils dans la poubelle. C'est la mère de Cameroun Apartheid qui a récupéré son fils. De leur grand-mère de 5 petits-enfants, 4 garçons et une petite fille. D'accord? On va aller à la maison. Oui, on va à la maison, Emma. J'ai déjà trop parlé de la bordel là. Donc, mieux on part. On va à la maison, Emma. Bon, on parle. La petite fille est rentrée. Après, les prochains directs que je veux faire. Ne parle pas de. Eh, Namungwe! Viens! Mais attends! Donc, ne parle plus de. Mais pour ça, c'est que moi, quand mon corps chauffe encore, c'est difficile de baisser la garde. Je dis que Nia, c'est ton fils. Ne regarde pas que Nia, c'est devenu dur comme ça pour rien. Tu demandes à Nia que tu en veux quoi à l'autre? Hein? Quand vous les bannez, que vous êtes tous là, quand il y a un problème comme ça, vous ne parlez pas de Nia. De l'autre, il faut abandonner son fils à la poubelle, un petit garçon. Hein? C'est la maman de Niat, c'est la maman de Pam la capitale qui a récupéré Niat à la poubelle. Hein? Et là, moi, une saleté, quand elle a parlé aux gens, abandon d'enfants, oh. Tu attends quoi quand Frédéric va parler de ça? Faut te faire fou, tu veux les parer, les abandonner les enfants dans les poubelles. Chienne, moi, dégage. Dégagez. Ah bon? Je suis méchante, hein? Je suis méchant que oh, Dieu t'a refusé depuis le nom. Tu as abandonné l'enfant dans la poubelle. Poubelle. Hein? Et tu oses parler à Facebook toi aussi. Hein? Tu laisses ton mari à la maison, tu vas faire les intro-dito. Avec qui? Avec Otam. Dieu a refusé. Maman, regarde-moi une maman qui a abandonné l'enfant dans la poubelle.
tu as jeté les enfants de la poubelle. Niat Baral, c'est ton fils. Tous les bambins que le savent, c'est pour ça qu'on ne t'aide pas. Tu veux que je continue? On va continuer. Dis le contraire. Tu as fui et Kubi pourquoi? Tu as fui Kubi pour aller où? Pour aller à Douala pourquoi? Fumer les débats. Tu me parles, moi? On a les cadavres, on a les cadavres, mais toi, tu es une fille, tu. Oui, de l'eau. Je m'en fous des cœurs. Je m'en fous de mettre même plus étoiles. Mais je veux te dire la vérité, c'est à Facebook. Regarde-toi. Hein? Et les sapins de ma panée, tu as banque. À l'époque, dans les années 90-80, là, les femmes accouchées, tu as entendu encore, on a ajouté l'enfant à la poubelle. Oh, non, non, c'est parmi. Akribi, il y a l'histoire de Akribi. Attends. Akribi. Il y a une histoire qu'on a retrouvé un enfant, un garçon Akribi. C'est ta corde qui c'était toi, ton enfant. Nia de Baran, on a retrouvé la poubelle. Nia de Baran, on a retrouvé la poubelle. Tu es, ton, tu es sa mère. Allons. Ma petite fille, allons-nous. Oui. Connais que du peuple, Kribi, tu as jeté ton enfant à la poubelle. Jeté. Et tu pleures aujourd'hui.